Bonsoir, merci. Je vais parler pendant que le chef se concentre. Vous avez tous reconnu Summertime, qui est en fait le premier morceau de l'opéra Porgy and Bess. Oh, j'entends beaucoup de bruit par là. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Donc... ce soir, c'est une soirée Gershwin. Gershwin était un grand compositeur qui a composé pour le jazz, qui a fait beaucoup de classiques, qui a fait un peu ce qu'on appelle du folk. Hein. Donc c'est vraiment ça a été un compositeur très éclectique qui malheureusement est mort très jeune. Autrement, il aurait composé encore plus. Et donc on va vous faire tout un tas de morceaux de Gershwin ce soir. Le premier, donc, c'était, ça faisait partie donc, de l'opéra de Porgy and Bess. Ça sera le seul dans cette première partie. Et la deuxième partie sera vraiment dédiée à Porgy and Bess. Et nous avons eu donc le plaisir d'entendre Laurence qui nous a chanté Summertime. Elle va nous chanter deux ou trois autres morceaux derrière, je ne me rappelle plus, qui sont aussi bien sûr des morceaux de Gershwin, mais qui ne sont pas de Porgy and Bess. Et le prochain s'appelle Nice Work If You Can Get It. Et ensuite, ce sera The Man I Love. The starry sky, nice one, if you can get it, and you can get it if you try. Swirling with a one boy, sighing sigh after sigh. Nice one, if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at a cottage door, where two hearts become one, who has no anything more. Loving one who loves you, and then making that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then making that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? You tell me how. untouchable. I'm waiting for the man I love. Très belle mélodie interprétée par Laurence. Ensuite, je voulais remercier aussi les solistes, dont le morceau précédent, Richard Brenier au saxophone ténor, ainsi que Pierre Faure qui nous a fait une entrée magistrale sur Summertime. Voilà. Je cède la parole à Christian Roy. Ah oui, parce que vous nous donnez la suite. Bien. Eh bien, maintenant, nous allons vous interpréter un morceau qui est un pur instrumental, toujours de Gershwin, bien évidemment, et qui s'appelle « I Got Rhythm ». Pierre Faure et Christian Roy, au saxophone alto. Vous avez pu entendre là que toute la musique de Gershwin, enfin une bonne partie de la musique qu'on joue maintenant en jazz, est une musique qui a été écrite en fait pour des comédies musicales qui paraissaient à Broadway. Et toutes ces chansons, donc c'était vraiment des chansons faites pour les comédies musicales, ont été un peu détournées en jazz, mais l'interprétation qu'on vient de vous faire faisait bien sentir ce côté comédie musicale, je vais dire. Et maintenant, nous accueillons Laurence de nouveau pour nous chanter « A Foggy Day ». Alone, I wonder, could they sing like church of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and the foggy London town, the sun was shining Christopher Swales à la guitare. Et maintenant, un très très joli morceau, une jolie balade qui s'appelle « Someone to Watch Over Me ». To one who Maintenant, un morceau qui s'appelle « It's Wonderful ». Encore une fois, c'est un morceau qui a été écrit par George Gershwin, sans oublier Ira Gershwin, son frère, qui était le parolier de toutes ces belles musiques. Nicolas Gagnière, piano. Somebody loves me. J'espère que vous aussi, quelqu'un vous aime. Je pense qu'il s'agit du dernier morceau de cette partie, quoi. C'est pas ça, je me suis trompé. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, donc je voudrais dire deux mots, même trois. Remercier Christian pour la présentation. Bien, je voudrais vous remercier, ainsi que toutes les personnes qui ont été citées par Sauveur. Voilà, également. Et je voulais remercier toutes les personnes présentes aussi sur le plateau, et notamment les amis du Jazz Club, donc Christian parti, Pierre Faure, ainsi que toutes les personnes aussi qui joueront dans la deuxième partie, qui sont venues nous prêter un peu main forte pour compléter les pupitres. Donc je ne vais pas tous les énumérer, mais je les remercie. On peut les applaudir également. Donc sur ce, nous allons terminer par ce très beau morceau. Et vous allez avoir la chance d'entendre Christian dans un solo mémorable aussi, n'est-ce pas? Voilà, donc place au morceau. Comment? Pas trop. Me, I Fabrice Bon à la direction. Fabrice Bon. Fabrice Bon, Laurence Maximovitch, au chant. Voilà, donc on vous demande juste quelques minutes pour le changement de plateau. Et on revient avec un répertoire différent dont vous a parlé Christian. En l'occurrence, sur un répertoire sur la suite de Porgy and Bess. Donc voilà, on tout de suite, pour certains d'autres, quittent le plateau, mais on a une partie à rester. Voilà. À tout de suite, merci.